crois que t'as rencontré mon copain Arnaud. Aline, ma sœur. Je te fais la promesse de veiller sur lui. Il est vivant quelque part. Dieu n'a pas voulu que tu meures, mais que tu arrives chez nous. Tu ne te rappelles pas ton nom? Je suis enceinte. La vie nous a cruellement frappés, tous les deux. Peut-être pourrions-nous unir nos deux détresses. Les enfants? Vous avez une nouvelle maman. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Le mari de ma sœur a été assassiné. J'ai une enquête à vous confier. Ma vie est ici, maintenant. Je confie la garde de Jean et Julie à monsieur Henri Boissière. Vous pouvez pas m'enlever mes propres enfants. Votre frère est aussi leur parrain, madame. On vient de retrouver le juge Carton assassiné dans son bureau. Tu veux aller vivre chez les Arabes? C'est un protectorat français, c'est comme si c'était la France. Laisse-les partir! Si tu vas en prison, on n'arrivera jamais à les récupérer! Et le vertige aussi. Bonjour madame. Par ici. Par ici. Les bagages. Allez, assieds-toi là, ma chérie. Ça va aller. Tu t'occupes d'elle? Bien sûr. Il lui faudrait de l'eau. Je m'en occupe. Ça va aller. Ah, allez, vas-y, dépêche-toi. Allez. Je viens avec toi. C'est là-bas. Non. Nous venons chercher la terre que nous avons achetée. Il faut prendre la queue. Monsieur, j'arrive à vous recevoir après. Allez, allez-y. Oh, ça commence bien. Il pourrait s'occuper des femmes et des enfants. Ça, je vous le fais pas dire. Et vous savez, vous allez dormir? Non, rien n'est organisé. C'est la pagaille, comme toujours. C'est vrai, ça. Où est-ce qu'on va dormir? Je sais pas. Il va falloir trouver une solution. Mais on a intérêt. Imagine, maman obligée de camper sur le port. Suivant. Bonjour. Votre nom? Aline Desmazures. Desmazures, voilà. Vous êtes veuve? Oui. Je vois que vous avez été élevée dans une ferme. C'est bien. Mais votre mari a été assassiné. J'espère que vous n'êtes pas une de ces aventurières qui débarquent ici s'imaginant faire fortune rapidement. Oh non, monsieur. Je suis prête à travailler dur pour me faire une place et m'adapter à ce pays. Oh là là, mais il n'est pas question de s'adapter.
Vous devez garder vos distances avec les autochtones. Vous êtes une jolie femme et vous êtes veuve. Vous êtes donc potentiellement un facteur de trouble. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis bien fait comprendre? Parfaitement, monsieur. Bien. Votre terre se situe dans le sud, dans la région de Guémassa. Son prix a été majoré de 200 francs à l'hectare parce que vous bénéficiez d'une source. C'est une chance. Bon. Et selon le plan établi par les autorités en concertation avec les ingénieurs agronomes, vous devez vous engager à y planter des amandiers. Voilà. Signé ce reçu pour votre terre. La reconnaissance de dette que vous devrez régler selon le plan établi en France. Je reviens. François a disparu. Quoi? Depuis combien de temps? Depuis une heure. Pourquoi tu l'as laissé s'éloigner, enfin? Mais il m'a pas demandé la permission, figure-toi. Bon. Voilà de l'aspirine. Vous pouvez garder le flacon. Merci, capitaine. François! Ça, tu m'entends? J'ai eu tellement peur. Je voulais pas te faire peur. Viens. Je te présente Monsieur Abou. Bonjour. Il travaille pour un transporteur. Il descend à vide vers le sud. Il peut nous emmener. Tu peux lui montrer où on va? C'est sur ma route, madame. Alors, vous n'avez qu'à aller chercher votre famille, moi je vous attends ici. Bien. Merci, monsieur. T'as pris des couleurs, toi? Ah, mademoiselle, je me suis inquiété. Ah, mais tout va bien. Merci, monsieur, pour votre aide. Non, mais je vous en prie, ce n'est rien. Dites-moi, si vous restez sur Mogador, aurais-je le plaisir de vous revoir? Non, nous partons pour le sud. Merci encore pour votre aide. Je vous en prie. Pardon, capitaine. Est-ce que vous pourriez avoir des informations sur un soldat qui aurait servi ici, il y a 3 ans? Ça dépend. Est-il encore en poste? Non. Il aurait été tué dans le sud du pays. Ah. Donnez-moi son nom. Arnaud-Villiers. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Et où pourrais-je vous trouver? Notre concession est près de Guémassa, sur la piste des Gorges. Je m'appelle Aline Desmazures. Georges de Gaumont. Je vous contacte dès que j'ai des informations. Merci. Ce qui est terrible ici, c'est la chaleur, hein. Un vrai four. Chez nous aussi, il fait chaud, mais c'est pas pareil.
Tiens, prends ça. Non, mais j'en ai pas besoin, tu sais. Mais prends, c'est pas grand-chose. Merci. Ta sœur doit être bien malheureuse sans ses enfants. C'est pas bien ce que tu as fait. J'ai rien fait, maman. C'est la justice qui a décidé. Mais depuis quand la justice s'occupe de nos affaires? Les enfants, c'est fait pour être avec leur mère, c'est tout. Tu veux que je demande au chauffeur de te raccompagner? Non, j'ai mon car. Madame Boissière. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons retrouvé un châle qui appartient à votre fille dans le bureau du juge Carton. Votre fille qui a disparu. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous évitez des ennuis à vous et à votre fils. Je suis sûr que vous savez où elle se cache. Absolument pas. Dommage. Vous imaginez le scandale? La sœur d'Henri Boissière, gendre du sénateur Régnier, soupçonnée de meurtre et d'enlèvement d'enfants. Tu vois bien, il prie. C'est bien le moment de prier, tiens. Monsieur! Monsieur! Tu t'y connais en moteur, toi? Non. Le tuyau est percé, la fumée vient de là. Le tuyau est percé, vous pouvez réparer? Demain, madame. Demain, on repartira. Le moteur doit refroidir. Comment ça, demain? Et on va dormir où? Ici. Ici? J'arrête pas de penser à Jean-Julie. Arrête de te torturer. Il faut que tu dormes. Je les ai abandonnés, Flora. Tu n'as abandonné personne. Tes enfants, on te les a volés. Et celui qui a fait ça va le payer très cher, crois-moi. Alors? Ah! Voilà. Ah! Finalement, j'ai pas si mal dormi, moi. Notre maison maintenant. Sûrement pas. Tout est sale, tout est moche, il n'y en a même pas de maison. Virginie, attends. Écoute-moi, calme-toi. Regarde. Tout ça, on va l'arranger, tous ensemble. On va en faire un beau chez nous. C'est pas chez nous. De toute façon, tu nous as amenés ici pour retrouver l'autre. Toi, Arnaud, t'en as rien à faire de nous et de papa.
C'est pour ça que tu l'as tué. Tais-toi. Non, je me tairai pas. C'est vrai ce que je dis. Elle a tué papa. Tout le monde le disait dans le village. Virginie, tu parles pas comme ça ta mère. C'est pas ma mère. Je te déteste. Je te déteste. Laisse faire, je m'en occupe. C'est beau quand même. Je vous entraînais ici pour courir après un fantôme. Mais non. Tu sais, Flora, j'ai vraiment cru que venir ici, c'était notre seule chance. Mais ça l'est. Seulement en France, ils nous ont caché qu'il faudrait camper et cultiver de la caillasse. On va y arriver, hein, Flora. Il le faut, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon je récupérerai pas mes enfants. T'inquiète pas, on y arrivera. Tu crois vraiment qu'Arnaud est vivant? Tu crois que je suis folle, hein? Ah non, pas du tout. Non, mais tu sais, pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui ronfle à côté de moi et qui porte mes valises. Moi, j'ai jamais rêvé d'un homme que j'aime. Je crois même que j'ai jamais été vraiment amoureuse. T'as de la chance, tu sais. Je devrais pas tarder à vous appeler inspecteur chef. Cette fois-ci, votre promotion est assurée. J'ai reçu un coup de téléphone. Du préfet en personne. Ils vous sont très reconnaissants là-haut. Merci, commissaire. Vous avez lu ma demande concernant Aline Desmazures? Oui. Je l'ai lu, oui. Vous êtes sûr qu'elle s'est expatriée au Maroc? Oui. Je vous comprends pas. Vous demandez son rapatriement pour l'affaire du meurtre du juge Carton. Il se trouve qu'au moment des faits, elle était dans un car. Son frère l'a confirmé. Le témoignage d'un frère. Le problème, c'est que ce frère, c'est Henri Boissière. Vous devriez faire attention aux gens que vous mettez en cause. Vous croyez que le préfet serait prêt à accéder à n'importe laquelle de mes demandes? Oh, sans doute, oui. Même une demande de mutation. Une mutation? Pour où? D'abord, il va falloir enlever tout ça pour planter. T'as vu? Il y avait une pompe avant. Pour l'irrigation. Il va falloir arroser, la terre est dure comme du bois. C'est pas possible, il nous avait dit qu'il y avait de l'eau pourtant. La source s'est râpée. Elle passe dans la propriété en bas. Et après, elle passe de l'autre côté de la montagne. J'ai soif. Toi, tais-toi. Mais non, elle a raison, il va nous falloir de l'eau potable. Bon, allez, allons voir cette rivière. Ah non, arrête! Oh non, toi, ça suffit, hein! Oh, t'en as partout! Et laisse ouais, ta sœur! Oh. Moi, je boirai pas de cette eau. Hein. Eh ben, on va faire une réserve d'eau. Qu'on fera bouillir avant de la boire. Il faudra en ramener si on veut planter. Et à 500 mètres jusqu'à la maison. On va faire comment? On pourrait creuser un petit canal jusqu'à la butte, ça amènerait l'eau beaucoup plus près. Il faut encore la faire monter. T'as une idée? Peut-être avec une pompe. Je vais réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Je m'appelle Aline Desmazures. Nous possédons la maison. Je sais. Mais ici, vous êtes chez moi. Désolée, mais nous pensions que... Que dans ce pays, vous pouvez pénétrer dans n'importe quelle propriété sans autorisation. Nous allons partir. Vous permettez qu'on prenne un peu d'eau? Pas chez moi. Ouais, ça va faire une trotte, hein. Mais quel sale type! Allez. On rentre. Oh, ça me prie.
mon âge, hein. Attends, maman. Laisse-moi faire. Mais non, mais ça... Écoute, je vais t'aider, tiens. Je vais t'aider, allez. Pousse-toi un peu, hein. Flora, il y a encore plus d'eau. Demande à Yvon. Yvon, de l'eau. Mais maman, je peux pas tout faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Hassan, prends ton corps en sang. Merci. Les gens qui n'ont pas été vaccinés et piqués. Ben vous faites comme tout le monde, vous attendez votre tour, s'il vous plaît. Non, attendez. Regardez, il a mal, vous pouvez pas laisser comme ça. Il a perdu connaissance? Non. Alors c'est ce que je vous dis, attendez votre tour. Ça a pas l'air bien grave. Pourquoi elle part? J'ai mal. Ça va aller, mon chéri, sois courageux. Alors, voyons voir ça. Bon, ben, elle a une fracture de tibia. Comment tu t'appelles? Toine. Toine? Ton os est cassé, il va falloir que je le remette en place. Ça fait mal. Oui, je vais pas te raconter de salade. Est-ce que vous pouvez m'attendre là-bas? Je vais me laisser travailler. Non, je ne bougerai pas d'ici. Comme vous voulez. Ah! Voilà. Ah! T'as été très courageux. Moi, quand on me l'a fait, j'étais petite, et ben, je me suis évanouie. Mais vous, vous êtes une fille. Ça doit être ça, l'explication. Sidi, tu lui fais son plâtre. Encore bravo, Antoine. Attendez. Vous allez pas le faire vous-même, le plâtre? Non, j'ai pas le temps. Ne vous inquiétez pas, Sidi est très qualifié. Il est pas médecin. Mais qu'est-ce que vous voulez? Un traitement de faveur parce que vous êtes française? À vous de vous occuper mieux de votre enfant. S'il avait eu une fracture du crâne, j'aurais pas pu faire grand-chose. Ah! C'est vous qui vous êtes installé en face de la propriété de Mohamed Driss le Caïd? Oui, c'est moi. Moi et ma famille. Flora, regarde qui arrive. Oh, le capitaine de Gaumont. Bonjour. Capitaine, je te confie. Oui. Bonjour, capitaine. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Bienvenue, capitaine. Bonjour. Mais vous n'êtes pas si mal installé. C'est pas mal. Je me suis renseigné sur le soldat dont vous m'avez parlé. Est-il possible de... Ah, mais oui, bien sûr, je vous en prie. Rentrez, vous devez avoir soif. Oui, merci. Installez-vous, je vous en prie. De Lavaux, racontez à mademoiselle ce que vous savez sur Villiers. C'était dans un défilé de la gorge du Todra. Les rebelles nous sont tombés dessus. On s'est fait canarder. Voici et Villiers se sont portés volontaires pour grimper. Ils voulaient les débusquer. De là où j'étais, tout ce que j'ai vu, c'est Villiers, le visage plein de sang, qui a poussé un cri. Il est tombé dans la gorge. Quand les tirs ont cessé, on a enfin aperçu Boissière. Il hurlait. Il nous ordonnait de chercher le corps.
Bien, merci. Attendez-moi dehors. Je suis désolé. C'était quelqu'un de votre famille? Non. Non. Mais en France, l'armée m'a renvoyé ses affaires. Oui, j'ai lu le dossier. On les a retrouvés sur le cadavre d'un rebelle. Il avait dû les voler sur le corps de votre ami. Je vous remercie, capitaine, d'être venu jusqu'ici. Merci. Je vous en prie. C'est en ton honneur. Elle t'appelle l'homme sans passé. À toi, François. T'as assez travaillé pour aujourd'hui. Regarde. En deux ou trois jours, il n'y aura plus un seul caillou. On va pouvoir commencer à planter. Oui, si on trouve de l'eau. J'y ai pensé. Si je remets le réservoir en état et qu'on trouve une mule, on pourrait le remplir et avoir toute l'eau dont on a besoin. Le seul problème, c'est qu'on arrive au bout de nos sous. Je sais pas comment on va y arriver. Lynn, t'inquiète pas, on va s'en sortir. On va trouver des solutions. Elle est jolie, mais c'est pas une belle pierre. Je peux t'en donner 100 000 francs. Ça va pas, non, je l'ai payé 10 fois plus. Enfin, pas moi, un homme, très beau. Un haut fonctionnaire, très important. Ah. Oui, ça, c'est du passé, mais la bague, elle vaut beaucoup plus. Je te donne 150 000 francs, parce que tu es une très belle femme, Zoéna. C'est vrai? C'est gentil. Tiens, bandit, toi. Hein. Tu me flattes pour me voler. Pas du tout. Je te donne 200 000. C'est tout ce que j'en peux faire. Dommage. Mais combien tu veux? 600 000 au moins. Hein? 600 000? Je te donne 600 000 et je ferme la boutique. La famille meurt de faim et mes enfants vont devenir des mendiants. D'accord, je veux pas que tes enfants deviennent des mendiants. Je te la laisse pour 500 000. 300 000. 550. Aïe,
320. 530, dernier prix. 400 000. 530, j'ai dit. 530. Ouais. 530, d'accord. Oh là là, un instant, madame. J'arrive à temps, moi. Je vois que vous voulez vendre cette bague. Attention, Mouloud peut être un vrai voleur, parfois. Pas du tout. Ouais. Oh, on te connaît. Hein. Montrez-moi ça. Je vous remercie, monsieur, je me débrouille. Ah, comme vous voudrez. Est-ce que je peux me permettre de vous attendre? Pourquoi pas? Merci. Attention, toi. Hein. Allez, à boule les 530. Ah, madame. J'aime bien faire des affaires avec toi. Reviens me voir quand tu auras d'autres bijoux. D'accord. Voilà. Allez. Slama. Je lui ai laissé à 250 000. Il était tellement content. Oh, bah oui, je pense bien. J'aime les femmes charitables. Surtout lorsqu'elles sont aussi belles que vous. Je me présente, Gustave Verlaire. Flora Masson. Verlaire, ça me dit quelque chose. Ah, mais oui, quand j'ai débarqué à Mogador, j'ai mis mes affaires sur un de vos camions. Oui, c'est possible. Ah, vous avez bien fait de venir vous installer ici. Alors racontez-moi, quels sont les derniers événements en métropole? On a sorti la nouvelle 7 chevaux. Oui, c'est pas vraiment à ça que je pensais. Plutôt à cet énergumène de chancelier Hitler, là, qui veut absolument rétablir le service militaire en Allemagne. Oh oui, bon, moi j'ai d'autres soucis. Hein. Ah oui. On pourrait peut-être en parler tous les deux autour d'un thé. Maintenant. Oh là là. J'en connais un qui va être bien au soleil. À regarder les autres travailler. Ah oui. Doucement. Doucement, doucement. Voilà. Allez, viens par ici. Pardon pour tout ce que je t'ai dit. Ça va. Dis, mon papa, tu l'aimais autant que le père des jumeaux ? Le père des jumeaux, c'est le premier homme que j'ai aimé, tu sais. Quand il a disparu, j'ai eu envie de mourir. Et puis ton père est arrivé. Il m'a tout appris, ton père. Et il m'a donné une famille merveilleuse, surtout. Alors oui, je l'aimais. Il m'a rendue très heureuse. Il me manque. Moi aussi, il me manque. Tu l'as acheté avec quoi? T'occupes. Voilà, un âne pour aller chercher de l'eau. Elle a de beaux yeux aussi, on l'a appelée Pâquerette. Ça va pas, non? C'est nul. Vous énervez pas, les enfants. De toute façon, elle a déjà un prénom. C'est quoi? Gzelle. Ouais, c'est bien Gzelle. Ça veut dire gazelle. Magnifique. Attends, on passe. Et tu sais pas tout. Dis-moi. J'ai rencontré un homme. Uniquement pour le travail. Ça saucissonne et que ça guinche dans les usines. À la TSF, on dit même que ça joue de l'accordéon près des machines en chantant la semaine des 40 heures. Ouais, ben ici, on fait pas la grève. Ah, Dupuis, vous êtes allé chercher le colis qui nous arrive de France? Personne m'a rien dit. Et ça se trouve, le bateau est resté bloqué en rade de Marseille. Nom de Dieu, mais fallait vérifier. Si le bateau a quand même pris la mer, il a dû accoster depuis au moins 2 heures. Oh, il va pourrir sur pied, votre colis, avec cette chaleur. Oh. Inspecteur chef, le Hénin. Je suis désolé, quelqu'un aurait dû vous attendre au port. Peu importe.
je pourris assez lentement. Je vous montre votre bureau. Pas maintenant. Vous savez où je peux localiser un immigrant français ? Oui, au bureau du protectorat. Vous pouvez m'y conduire ? Mais certainement. Je vous en prie. On va se marrer avec celui-là. Il a une tête de poisson mort. Oui. Je vous en prie, par ici. Le chir Husseini. C'est l'envoyé de Kaïd pour occulter l'impôt. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut prendre la moitié de troupeau. C'est beaucoup ? C'est trop. شد عندك عدير البلاد سكروا معك لا بقات فيك هاي اللي يسير شفتي ما كانش عليك تهين وكاك ما كتعرفش ولا ذاك الرجل خطير تي يا ايميلي لي شيخ cet homme est très dangereux je pensais qu'il allait vous tuer صحاب واش غادي يقتلك حنا حتى الحرب كنديروا للدول انت دابا غترزم عليا باش غادي نمشي نطلب منه المسامحه elle va être obligée de faire les excuses à cet homme laisse-moi vous accompagner ونطلب منه يسامحني ما بديتي كتعلم tu commences à comprendre Bonjour Toubiba. Tu pourrais regarder la patte de mon âne, il est blessé. Il est fatigué, ton âne, François. C'est tout. Et quand je pense qu'on pourrait aller chercher de l'eau dans la propriété de l'autre, ça me rend malade. Le caïd, tu l'appelles l'autre ? C'est étrange, ça lui ressemble pas. C'est un homme plutôt généreux. S'il s'entête comme ça, c'est qu'il doit avoir une raison. Faut essayer de lui parler. J'aimerais bien vous y voir. Vous n'êtes pas souvent par ici ? Qu'est-ce qui vous amène ? Je voulais vous prévenir pour l'eau. Faut faire très attention, encore plus que d'habitude. Je me rends dans un village berbère au sud de Tiznit. Il y a une épidémie. Oh, les sauvages. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a les bandits qui viennent d'attaquer le village à 3 km. Il paraît qu'il y a beaucoup de blessés et des morts. Bon, vous avez besoin d'aide ? Je peux vous accompagner si vous voulez. Bah, si vous avez le cœur bien accroché, pourquoi pas ? Je viens vite. Je reviens, François. Il y a des blessés. Je les ai fait transporter là-bas. Viens. Oh, regarde. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais te donner. Non, non. Tiens.
de bandage. Il y a mille raisons. Le village n'a pas payé l'impôt. Les hommes jeunes refusent de rejoindre la bande. Enfin, je sais pas vraiment. Et pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Pour tuer Driss. C'est un homme très important dans ce pays. Et il s'est toujours montré très hostile envers ses bandits. Elle a perdu toute sa famille. Son mari a été tué. Et aujourd'hui, ses deux fils et sa fille. Le pire, ce sont les deux frères de son mari qui ont commis ce crime. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle ne peut pas rester seule. Je vais lui trouver une famille qui voudra bien l'accueillir. Moi, je veux bien. Vous savez ce que vous dites, n'est-ce pas? C'est une femme profondément blessée. Ce ne sera pas facile. J'ai l'impression que rien n'est facile ici. Agis. Agis. Oh mon Dieu, voilà. Venez, madame. Apporte-moi une chaise. C'est passé. C'était horrible. C'est qui? Nabiha. Je vous présente Virginie, ma fille. Voilà Flora, ma tante. Et voilà Toine. On va vous faire du thé. Vas-y, Toine. Je dois y aller, ma journée n'est pas finie. On va s'occuper d'elle. Merci. À plus tard, allez. Vous ne deviez pas aller dans un village au sud de Tiznit? Si, j'irai demain. Emmenez-moi avec vous. Je pourrais vous aider encore. D'accord. Je viens vous chercher demain matin. Merci. Courage. Non? Tu veux essayer? Je veux bien, oui. Tu t'en sens capable? D'accord. À toi. الله يرضي عليكم راه بان الناس مرات في الدوار بزاف. لاباس لاباس.
faut leur dire de faire bouillir l'eau des puits, elle est complètement contaminée. Sinon, il va y avoir une épidémie épouvantable. Ma, mouchke. سمع قالت لي قالت لكم راه الماء هو اللي جاي من المشكل هذا بصح لان فيه البكتيريا تجابوها الناس حتى يمرضوا غنقول لكم واحد القضيه مهمه بزاف هذا الماء هذا اللي تتشربوا فيه راه ملوث خاصكم تبقاو طيبوا قبل ما تشربوا je crois qu'ils ont compris j'espère شكرا Le châtiment réservé autrefois aux voleurs dans ce pays. On leur coupait la main. Yvon, François, à table. Et vous, vous avez intérêt à manger, hein, parce que sinon, c'est la fessée. Mais attends, tante Flora, c'est tout brûlé. C'est dégoûtant. Tu trouves? Eh bien, la prochaine fois, tu fais la cuisine. D'accord, à la cuisine. Mais ça, c'est parfait pour caler mon établi. Ah, c'est drôle. Je peux pas tout faire. Moi, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien du tout, je suis tombé. Oui, c'est ça. Il est tombé. Et je vous le ramène. Jeune homme, je t'attends demain matin comme convenu. Femme tiennée. Ouara. Fais voir. زوينه شكرا خليت لكم الراحه تصبحوا على خير bienvenue Très bien. Thank you.
Assalamu alaikum. سيد القايد، شكرا على حسن استقبالي. الشيخ الحسيني، غدي ان شاء الله يمكن لك تجي وتاخذ الواجب. وهذا اللي هان لي الشيخ الحسيني، اش غادي ندير معه؟ سيد القايد، هذا الراجل براني، لقيته في الصحراء في الحاله ديال الموت، وما عقلش على راسه. ويلا عمل هذيك العمله، راه غير بغى باش يدافع عليا، لانه ما كيعرفش التقاليد ديالنا. أنا جيتو معايا باش يطلب منك المسامحة ومن الشيخ الحسين. شو حسيني لخيلك سامحيني. في القيد هذا ما غاديش نسامحو، هاني قدام القبيلة كلها. اسمح له بما أنه جا عندنا وطلب لنا نسمحو له. اسمح له. Elle avait quel âge, ta fille? Comme moi ou un peu plus grande? Elle était sage? Tu sais, moi aussi j'ai perdu quelqu'un, mon père. Quelqu'un lui a fait du mal. J'y pense tout le temps. Il me manque, hein. Toi aussi, ta fille, elle te manque? Moi, j'ai Aline qui s'occupe de moi.
Je suis pas tout le temps gentille avec elle. Elle pourrait s'occuper de toi. Tu sais, elle a un cœur grand comme ça. C'est une sacrée ta maman, tu sais. Dis-moi, beauté fatale, dans 2 jours, je suis invitée à une réception à la caserne. Tu m'accompagnes? Je sais pas. Allez, ça te changera les idées. Les militaires ont un peu les mains baladeuses, mais je pense que tu sauras te défendre. Je vais réfléchir. Non, rien du tout. Tu mets ta plus belle robe et je viens te chercher dimanche à 6h. Allez. Au revoir, Sylvie. Au revoir, mademoiselle. J'ai vu parler avec Naglia. Elle se sent mieux? Elle le montre pas, en tout cas. J'y suis presque. Ça fait 2 ans que tu me dis ça, Yvon. Ah non, mais j'ai trouvé des pièces. Ça va marcher. Ça va? Très bien. Antoine court dans tous les sens. Virginie fait sa princesse au petit pois. Elle se plaint tout le temps. Yvon a failli incendier la maison au moins 3 fois, mais tout va bien. François, je t'en parle même pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. François, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Raconte. C'est le cas, il m'a surpris chez lui en train de le voler. T'as pas fait ça, François. Mais c'était pas tellement pour le voler. J'étais en colère contre lui à cause de l'eau, alors je me suis vengé, c'est tout. Et ça, c'est lui qui t'a fait ça? Je vais lui dire de moi, cette espèce. Attends, Alice, t'en supplie. Attends, je méritais cette correction. C'est pas un mauvais bourg, hein, le caïd. Le petit le vole, et lui, il lui propose du boulot. Payé, en plus. C'est pas possible. Non, ça, non, c'est pas possible, c'est bon. Non, Aline, j'ai honte de ce que j'ai fait, tu comprends? Quand je pense, si papa savait ça, il m'en voudrait tellement. Écoute, je préfère que tu me laisses faire. Je veux pas que tu t'occupes de mes histoires, d'accord? الضيف هذا اعتبر من اليوم واحد منا. اي نسميه نزام. نزام هذا هو الاسم اللي كنت بغيت نعطي لولدي التاني. Père veut que tu portes le nom de Nizam. C'est le nom qu'il aurait voulu donner à son deuxième fils. Ma carte. Le pseudo que le Hawish. Le Kent Moujit. Il veut aussi que tu portes ses vêtements. Oh. Oh, mais les chèvres. Wislem. زوج اختك نعيم. Il veut que tu te convertisses et que tu épouses ma sœur Naïma. Mmh.
هتساعدي يا بنتي، إنما الطريق طويلة. T'es belle. Papa aimait beaucoup ce parfum, non? Oui. Depuis le temps, il a dû perdre toute son odeur. Ah ouais? Bah, faut en mettre beaucoup, alors. Hein? Madame Desmazures, je ne m'attendais pas, je suis ravi. Vous êtes le docteur Kozinski, je crois. Georges de Gaumont, vous avez soigné deux de mes hommes le mois dernier. Peut-être. Soyez les bienvenus. La route nous a donné très soif. Hein? Oui, je vous conduis au buffet. Je trouverai. Je suis très heureux de votre présence. Alors dites-moi, vous vous habituez à ce pays? Oui. Il est dur, mais je le trouve facile. Oui, oui, rien n'est simple ici. Tu sais, les tribus se combattent depuis toujours, mais là, maintenant, elles s'allient contre l'autorité française. Faites attention, ne vous éloignez pas des postes tenus par nos troupes. Les rebelles pourraient nous chasser? Non. Nous avons la situation bien en main, mais restez prudente. Non, je crois que j'ai perdu l'habitude. Oh, juste quelques gouttes. Pour fêter le bonheur que j'ai de vous revoir. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à vous depuis le port de Mogador. Et vous n'êtes pas faite pour cette vie. Quelle vie? Mais... vous méritez le luxe, l'amour, la passion d'un homme, pas de travailler cette terre ingrate. Vous vous y trompez pas, capitaine. Je suis née dans une ferme et je reste une paysanne. À qui voulez-vous faire croire ça? Très bien, merci. Excusez-moi. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons la visite surprise du contrôleur civil. Il vient d'arriver de la métropole pour prendre son poste à la tête de la région sud et il nous fait l'honneur de nous présenter sa famille. Monsieur, mon épouse Mathilde. Enchanté. Et nos enfants, Julie et Jean. C'est votre maman, c'est moi. Calme-toi. C'est calme-toi. Vas-y, dis-leur à tes amis. Dis-leur que t'as volé mes enfants. Si tu continues à faire du scandale, tu les verras plus jamais. Tu recherches pour meurtre. Il faut moins d'une minute pour faire venir la police. Lâchez-la. Tête à moi, je la récupère. Mais c'est pas si simple, Ali. Je préviens, si tu cherches à m'en empêcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Encore un scandale? Regarde ces gens.
Pour une de mes faveurs, ils sont prêts à m'offrir leur fille ou leur maison. Et tu crois qu'un seul d'entre eux lèverait le petit doigt pour t'aider? Adieu, t'écoute. Aline. Tu te souviens des rêves que nous faisions enfants dans nos montagnes? Je les ai réalisés. Regarde, je suis devenu un homme puissant et respecté. Laisse-moi t'en faire profiter. Non. Non, je veux pas. J'ai du pouvoir, alors à quoi ça te sert, mes enfants? Rends-les-moi. Rends-les-moi, Henri. Écoute. La prendre maintenant ne ferait que les traumatiser à nouveau. Viens chez moi demain. D'accord. D'accord, je viendrai demain. Aline ! Aline ! Allez, tu vas pas faire 20 km à pied. Monte. Allez, fais pas d'histoire. Quel cadeau? Tu nous l'avais promis. Ah, c'est peut-être ça, Jacques. Non. Oh. Vous avez vu comme il est mignon? Ah, il est tout doux. Gentil toutou. Il est tout doux. Les enfants, c'est la dame d'hier soir, vous la reconnaissez? Je vous en ai parlé ce matin. C'est votre maman. Embrassez votre mère, les enfants. Non! Jean, reviens ici! Ne les force pas, comment veux-tu qu'ils comprennent? Julie, ma chérie. Je vais parler un petit peu avec Henri et Mathilde, après je reviendrai te voir, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est moi qui les élève, j'ai le droit de savoir ce qui va leur arriver, non? Des enfants que vous avez volés! Oh, des enfants que nous avons arrachés à leur misère pour leur donner une vie décente. Mais qu'est-ce que vous savez de ma vie, vous? Vous les avez portés en vous, ces enfants? Vous les avez sentis bouger dans votre ventre? Vous avez souffert pour les mettre au monde? Ça suffit. Tu as raison, oui, ça suffit. Je n'ai même pas en parler. Je les emmène avec moi. Henri, tu m'as promis. Henri, qu'est-ce que ça veut dire? Rien, regarde. Regarde la vie qu'ils ont ici. Tu tiens vraiment à les emmener avec toi, dans ta cabane, au fond de ton bled? Laisse-leur le temps, Aline. Tu viendras les voir quand tu veux. Je mettrai une voiture à ta disposition. Arrête. Vous croyez vraiment que vous allez en faire des paysans? Ils vont se laver avec de l'eau croupie et dormir avec les mules et les chèvres. Nous ne dormons pas avec les animaux. Tu ne m'as pas raconté ton enfance? Hein? Vous voulez bien préparer leurs affaires? Certainement pas. Ces enfants nous ont été confiés par la justice française. Justice qui s'applique aussi ici, dans le protectorat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a une décision de justice qui nous les a confiés. Et j'ai fait constater depuis que tu n'as pas donné signe de vie. Tu viens ici quand tu veux. Mais si tu essayes de les reprendre, tu ne les reverras jamais. Maintenant, je vous demande de quitter cette maison ou je vous fais reconduire dehors par les domestiques. Ne feriez pas ça. Ne me mettez pas au défi. Ce sont mes enfants, maintenant. C'est moi qui me lève la nuit quand ils font des cauchemars. Moi qui leur ai appris ce qu'ils savent. Maintenant, vous pouvez choisir de quelle manière vous allez sortir d'ici. Thank you.
me dois bien ça, Henri. Souviens-toi, c'est notre contrat. C'est très bien, ça va beaucoup mieux. Demain, tu me chies. Oh, Aline! Ne me demande rien, dis-moi seulement ce que je dois faire. Va mettre une blouse et lave-toi les mains, là-bas. Non, mais ça va, Alice. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Un le matin, un le soir. Waha, Mashi, Koshimara. Shukran al-ghazal. Ne t'inquiète pas, avec les médicaments, ça va aller beaucoup mieux. Inch'Allah. Bah, tu t'en sors très bien. Bonsoir, GRNP. Tu as rempli ta part de contrat. Tu es libre de rentrer chez toi à présent. J'ai une faveur à vous demander, Kaïd. Est-ce que vous voulez bien m'apprendre l'arabe? Pourquoi veux-tu faire cela? J'aime ce pays, Kaïd. Je me sens chez moi ici. Il n'y a que la langue qui me manque. Et tu crois que parler l'arabe fera de toi un Marocain? Peut-être pas, mais c'est toujours ça. Puis Aline dit toujours que la différence des autres nous enrichit. Elle a raison. Je sais que vous vous entendez pas bien tous les deux, mais... C'est une personne extraordinaire, Kaïd. Si elle vous en veut, c'est juste à cause de l'eau. Je sais. Mais vois-tu, il faut laisser les gens faire leur expérience. Les aider dans leur errement ne sert à rien. Je t'attends demain matin. Rentre chez toi à présent. Merci, Kaïd. Vous avez l'air de bien vous entendre. Ouais. Il a accepté de m'apprendre l'arabe. Excellente idée. Au moins, il y aura quelque chose à tirer de cette brute. Aline, tu le connais pas. يا نبيا هاد الليله غادي تكون بارده سيت لوي اي با فير تري فرو Jamais les amandiers ne prospéreront sur cette terre. N'en déplaise à vos agronomes qui décident dans leur bureau ce qui doit ou ne doit pas pousser sur la terre marocaine. Je vous ai observé ces derniers mois. Vous et votre famille êtes des gens courageux et généreux. Alors j'ai décidé de vous aider. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tout est mort. Si les amandiers ne prospéreront jamais ici, les orangers, eux, s'y plairont. Pour les orangers, tu auras de l'eau. Ces hommes
on creusait un canal entre le Sousse et ta terre. Ensuite, je te donnerai des arbres sur pied. Accepte ou refuse, mais ne me remercie pas. Celui qui nous tient tous dans sa main y pourvoira. Peut-être. Yadrari, yallah. اللهم تعالى يبارك هاد الزواج ويرزقكم الوليدات. هادي وصية الوالد الله يرحمه. بغاكم تكونوا مثلا في التفاهم ديال شعوبنا. Un paradis. Un paradis bien réel. Mais surtout, un jardin qui réclame beaucoup. Beaucoup de soins. Et comme dit l'un de vos auteurs français, le vrai paradis est celui qu'on a perdu. Qui dit ça? Marcel Proust. Vos femmes ne sont pas jalouses de vous voir avec moi? C'est l'avantage d'en avoir plusieurs. C'est un remède à l'étrange maladie qui est la jalousie. Ah oui. Comme si elles avaient le choix. Et si une de vos femmes allait dîner avec mon cousin Yvon, par exemple? Qu'est-ce que vous diriez? Je ne parle pas de ma jalousie à moi, mais de la leur. Dans ce pays, ce sont les hommes qui font la loi. Et une loi qui les arrange. Je ne comprends pas votre indignation. Nous ne faisons que discuter, n'est-ce pas? Absolument.
Qui est-il? Rien. Des fantômes. C'est rien. Ça pique. Voilà, c'est fini. Merci, Nordine. Pourquoi je ne lui laissais pas piquer? Parce qu'il sait l'apprendre. Regarde. Il y a toujours un endroit sur une rose où tu peux la prendre sans te piquer. C'était vraiment la meilleure solution. La semaine prochaine, Henri. Aline. Bonjour, capitaine. Quelle bonne surprise. Cela vous dit de boire un thé avec moi? C'est gentil, mais la journée était très longue. Je vais rentrer chez moi. Je vous en prie. Je vais être franc. Ça fait plusieurs jours que je vous vois passer, que je n'ose pas vous aborder. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de forcer le destin. Acceptez. Je n'ai pas le choix. Pas vraiment. Non, allons-y. Vous aimez les chevaux? Je vais vous montrer quelque chose. Hassan, siège. C'est un cheval arabe. Une très ancienne race. On dit que c'était le cheval de Salomon. Il est magnifique. Magnifique, puissant. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé la dernière fois. Mais j'aimerais vous protéger. Si vous étiez à mes côtés, il ne pourrait plus rien vous arriver. Il ne pourrait pas voler vos enfants. Et vous affronteriez le redoutable contrôleur civil? Oui. Lui et tous les rebelles du pays, oui. Aline. Qu'est-ce que vous faites? Vous me plaisez, Aline. Enfin, capitaine! La première fois que je vous ai vu, je pense à vous. Vous hantez mes nuits. Lâchez-moi, capitaine! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Calme.
Il y a des témoins qui ont pu voir ce qui s'est passé? Non, inspecteur. On a interrogé tout le monde. Personne n'a rien vu, rien entendu. François! J'espère que vous allez aimer. En tout cas, ça sent bon. Toine, tu es un génie. Ça va, c'est qu'une brioche. T'as qu'à la faire à la cuisine si t'aimes pas. En tout cas, on va la manger. Aline des Masures, par ordre du procureur, je vous arrête pour le meurtre de Georges de Gaumont. Mais ça va pas bien, vous, hein? Un palefrenier vous a vu sortir des écuries à l'heure du crime. L'officier avait le visage griffé. Lui aussi aura essayé de vous tripoter, je suppose. Et ça lui a coûté la vie. Vous êtes un malade. Vous serez transféré à Nice pour y être jugé de vos crimes. Messieurs, faites votre travail. Ah non, vous pouvez pas faire ça! Madame, je vous conseille de rester à l'écart. Calme-toi. Emmenez-la. On embarque aussi les enfants. Ça va pas, non? C'est les miens. Non, laissez-les. Ce ne sont pas les siens. Les enfants ont besoin de toi, François. Je te promets que je vais revenir. Je te le promets. Mon amour. Voilà. Peut-être un enfant. Naïma. Prête à toi, Lilia. Je les récupère. Alors je vais les voir maintenant. C'est pas possible maintenant. Vous ne changez pas. Un animal à sang froid. Vous ne m'aimez pas beaucoup. Il va y avoir une guerre dans cette région. Vous êtes en danger ici, Aline. Hé hey. Il est vivant. Il est vivant. Je vous ferai condamner pour haute trahison. Mon problème, c'est que le type à qui tu t'es pointé comme une putain, c'est Saïd Hashim. L'ennemi de la France! C'est encore meilleur. Ah. Toi aussi, tu devras faire un choix dans cette guerre. Peut-être que nous serons ennemis dans quelques mois.